Allez, cher juge, on s'installe. Dans le canapé. C'est l'idée, oui. Ah ouais? Mais les quatre, ça marche pas, hein. Mais si, Chris, vous avez l'habitude. Je peux pas, en fait. Ils ne se sont pas lâchés d'une semelle, sauf cas de force majeure, bien sûr. Allez, retour sur la saison de nos quatre fantastiques qui ont encore tout donné cette année. Ils en ont passé du temps au studio 217, c'était un peu comme à la maison, du coup ils s'étaient bien répartis les tâches ménagères. Nicolas s'est chargé du rangement. Fauve s'est occupé du ménage. Et pour Jean-Marc, c'était la cuisine. J'adorais un œuf. Inséparable, quand on fait tout à quatre, on manque parfois un peu de place. Sur boum boum, t'as souvent un peu les bras ballants. C'est le petit conseil pour la semaine prochaine. Évidemment, la nouveauté cette saison, c'était bien sûr l'arrivée du petit nouveau, tout de suite très enthousiaste. Une intégration réussie, d'autant qu'il a pu compter sur le soutien de ses camarades, même s'ils n'ont pas toujours tout compris. Moi, je te donne un conseil. Imagine-toi un cercle que tu peux faire grandir et rapetisser comme des cercles concentriques. Et imagine-toi capable de faire ta chorégraphie et de graduellement le faire grandir, tout en contrôle, mais une étape à la fois. On comprend, ouais ? On comprend. Autre fait marquant, les désaccords entre nos quatre juges sur une même prestation, ça a parfois été le grand écart. Splendide ! 7 ! Non mais 7 ! Le mec c'est est pas bien. C'est super bien. C'est super bien. Porte wack. Un 10 ! 7 ! What ? Mais même le corps ne bouge pas artistiquement. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils ne lâchent pas le morceau, hein. Ils sont plutôt du genre têtu. Je suis d'accord avec toi. Si t'es d'accord avec moi, ça doit aller là-bas. Non. Des juges investis jusqu'au bout pour le show, derrière le bureau, comme en répétition. Pour faire progresser nos personnalités, ils n'ont pas hésité à mouiller le maillot chacun à leur manière. Jean-Marc, c'est comme ça. Oui. Ça veut dire qu'il est content. Impeccable en toutes circonstances, même en training, Nicolas. Salut les filles, un petit cours de danse. Parfait également au niveau du look, Chris. Bon, sauf la semaine où il a coaché Ariel Dombal. Tu vois, j'ai l'impression que j'aurais dû mettre ma chemise pour accueillir Ariel. Elle est cool. Non, mais mini-jupe. Ah ouais, j'adore. En revanche, pour Fauve, c'est plus détente, deux chaussettes de randonnée et un jogging relevé. Bon, ça ne l'a pas empêché de faire des compliments sur le look des autres, hein. Tac, c'est très joli ça. Ah, merci. Tac. En tout cas, derrière le bureau comme sur le parquet, nos quatre juges ont assuré le spectacle. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Pour les avoir bien entourés et encouragés cette saison, nos personnalités sont fières de vous dire un grand merci. Et pour ça, vous avez droit aux meilleures notes de tout le monde. Enfin, sauf Camille, on dirait. Hein.